Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté de vous faire le tour du football ensemble avec nous pour toute information pour nous commencer par sport. Et pendant le week-end, qui a organisé une conférence à faire avec Kike Setién qui est entraîneur de Barcelone. D'un côté, Kike Setién me dit que il est vraiment tombé en larmes. Il a regardé pour voir comment, avec quelle intensité que Dembélé l'a entraîné. Il a posé des questions sur Piqué tout avec voyage. Il dit ça pas dérangé parce que c'est pas un qui papa joueur. Et puis il a parlé de Messi. Il dit lui-même établi pour Messi tellement content que là pour Messi il voulait rester là pour tout le temps. Et nous voilà en Italie côté nous qu'on est Inter de Milan était vraiment bouleversé marché transfert à côté il était fait signer Eriksen et Moïse ensemble avec ancien joueur Manchester United qui c'est Nugget De Jong. Et pendant marché transfert nous qu'on connaît que Gareth Bale était une rumeur qui dévoile l'équipe Tottenham mais finalement il a déclaré pour qui ça que Gareth Bale parti à Tottenham c'est parce que il a un salaire de 500 000 euros et le week-end il était venu pour jouer golf donc c'est ça que fait Tottenham lui-même il pas fait signer ancien joueur qui c'est Gareth Bale. Et nous qu'on est en Angleterre toujours mes amis, eh bien Liverpool n'est pas suspendu, fait massacre dans le championnat. Donc finalement, il y a 22 points d'avance sur Manchester City côté le débat 4-0 pendant le week-end là, mes amis. Mais définitivement, aucun monde pas capable de camper équipe Liverpool là. Eh bien, nous connaissons encore et Manchester City qui pas passé un bon moment. Et bien finalement, Pep Guardiola a fait une liste là qui suppose quitter l'équipe là. Et nous gagnons là-dedans Gabriel Jesus et pourquoi pas latéral gauche là qui c'est Mendy et même Leroy Sané qui va faire les frais dans le prochain mercato qui a venu là. Et bien encore, nous parlons en Espagne, nous connaissons Real Madrid lui-même qui a gagné un week-end là. 1-0, ce qui va participer grâce à un goal de Karim Benzema. Et bien c'est oh là là, Journal As lui-même, les titres, Journal Li. Que et nous connaissons Benzema qui était recevoir un passe de Mendy et bien il dit le Real Madrid l'a gagné à la française. Mais en Italie tout au sport et il mettait Ronaldo 50, ça fait 50 goals Ronaldo marqué dans la carrière avec l'équipe Juventus là. Mais c'est une carrière de sport lui-même t'as ensemble que habite là t'es vraiment aidé Juventus pour gagner un match ça. Et nous gagnons Journal Macalim qui mettait à la une et bien et entraîner Thomas Tuchel avec Kylian Mbappé que bah elle a pas vraiment marché ensemble avec Negula et mettre ensemble Negula toujours dans ses tirs bouche nous connaissons comment relation avec Xavier et bien les compréhensions semblent grandir entre l'entraîneur et son attaquant. Ils ont eu une explication hier au camp des loges. C'est ça que le Parisien a mis d'ailleurs. Et nous gagnons encore en Espagne, nous connaissons Mundo Deportivo lui-même, il mettait en dessous ça ou ça, nous connaissons en dessous Fati lui-même, jeune et attaquant Barcelone, ça qui va y doubler hier grâce à deux passes de Lionel Messi. Le monsieur qui a vraiment un bel lancer là dans FC Barcelone. C'est vraiment un bel avenir, nous connaissons que je n'ai record tout lui-même, il mettait Trincão résolve, nous connaissons Trincão lui-même qui est un jeune attaquant qui fait signer avec FC Barcelone. Qui a joué dans Braga dans le pays et Portugal, et bien définitivement, il a sauvé l'équipe avec un grand goal devant le Sporting Portugal. Et bien, ça qui concerne Bola Kanouga, Steven Saba définitivement qui signe un contrat avec Impact Montréal dans MLS. Ça, tout compte ça déjà, mes amis, qui va porter numéro 19 dans l'équipe. Ça, mais définitivement, tout bagage une fête, même si pas révélé et montant contrat, ni qui va aller comme il va le toucher. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Donc, définitivement, Saba lui-même, lycée nouveau joueur Impact Montréal. Real. Il va gagner pour évoluer dans MLS là et pas oublier et entraîner équipe ça lui-même c'est Thierry Henry. C'est un plaisir pour nous de porter vidéo ça pour mes amis pas oublier mettez un like en bas ça vraiment fait nous content et abonnez avec chaîne YouTube là cliquez sur le bouton rouge qui est en bas là qu'on y a la même sur le fait ça pour abonner avec chaîne YouTube là pour pas rater prochaine vidéo nous parce que nous toujours mettez vidéo soit sur actualité sportive soit sur tout ça qui passe dans le monde ou bien belle application besoin pour téléphone donc pas rater occasion ça mes amis abonnez qu'on y a cliquez sur le bouton rouge qui est en bas vidéo et puis activez la notification pour pas rater prochaine vidéo nous. Quant à nous même nous à la prochaine vidéo que bon Dieu bénisse nous pas oublier préparer nos mots pour que ça soit qui essentiel.